Donc, j'ai apporté une petite rectification au code source de la classe grille en ajoutant un break sur déplacer droite et un return sur déplacer bas. Donc, break et return, là, dans notre cas, ça a la même signification. Ça permet juste de sortir de notre fonction. Puisqu'en fait, ces deux méthodes ne fonctionnaient pas, déplacer droite et déplacer vers le bas, puisque ce qu'on fait, nous, c'est qu'on parcourt le tableau pour rechercher le joueur. On dit que si on trouve le joueur, il faut le descendre d'une case. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on sort du if, on sort du second if, et on reprend la boucle for. Le problème, c'est que comme le joueur est descendu d'une case, on va le retrouver à nouveau. Et ça va faire une boucle en fait qui va se répéter plusieurs fois et le joueur va être trouvé à chaque fois. Bon, du coup, ce qu'il fallait faire, c'est rajouter quelque chose qui permettait de sortir de notre fonction pour ne pas tomber plusieurs fois sur le joueur. Donc voilà la signification de ces breaks et de ces returns. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est dans mes fonctions de déplacement, c'est tester si on tombe sur un monstre. Alors, je vais décommenter les lignes que nous avions écrites. Donc, lorsque je me déplace, par exemple, vers le haut, je teste si je peux monter, si il y a un monstre en dessus. Si jamais il y a un monstre, bon, on peut déplacer notre personnage si vous le souhaitez. Et je dis j'ai un point start combat. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. C'est juste pour vous montrer que l'on peut écrire des scénarios de combat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une méthode de combat. Donc public void start combat. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des paramètres comme les deux combattants, comme le personnage ou ce que vous voulez. Et alors déjà, oui, ok. Non, on va pas procéder ainsi, c'est pas très judicieux. Le combat ne peut pas se dérouler dans la classe grille. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire public int déplacer h. Donc, au lieu de renvoyer rien du tout, on va renvoyer un int. Lorsque on déplace le personnage, on fait return 1. Donc le 1 signifiera que le personnage s'est déplacé convenablement. Et lorsqu'on tombe sur un monstre, on fait return 2. Oh, voilà. Donc là, j'enregistre. Add return statement. Donc là, on va dire si jamais rien ne s'est produit. Donc si quelque chose s'est mal déroulé, on fait un return 0. Donc 0, c'est pour dire rien ne s'est passé. 1, on a déplacé le personnage. Et 2, on est tombé sur un monstre. Dans ma classe main, je vais dire if j'ai un point déplacé h égal à 1, donc si on s'est déplacé convenablement, break. Else, donc si je vais même mettre un else if
G1 point déplacé H égale égale à 2. À ce moment-là, on combat le monstre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce que nous avions fait dans le tuto 7 et ce que nous avions fait, c'est donc créer un monstre, etc., etc. Là, on va faire un system.out.println et on va dire début du combat. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va dire m1.getvie on va même dire m1.setvie égale m1.getvie moins p1.attaquer. Donc là, on modifie la vie du monstre en récupérant sa vie et en lui enlevant ce que nous lui infligeons comme dégâts. Donc ce qu'on peut faire, c'est afficher des instructions comme les caractéristiques de l'adversaire. Donc là, je fais M1 point qu'est-ce qu'on a? On a soit tout, oui, on a le toString. Voilà. Donc je fais un system.out.println. Et je vais faire pareil, vos caractéristiques. Et là, je vais dire p1.toString. Ensuite, on dit, vous attaquez, vous lancez une attaque. Là, j'affiche les caractéristiques de l'adversaire. Ensuite, vous vous faites attaquer. Et on va dire que p1.setvie est égal à p1.getvie moins m1.attaquer. Et là, on affiche vos caractéristiques. Tac, tac, tac. Et donc là, c'est le déroulement du combat. C'est chacun attaque à son tour. Ce que je vais faire, c'est dire while. Donc, tant que p1.getvie est plus grand que 0 et que m1.getvie est plus grand que 0. Donc ça veut dire tant que les personnages sont en vie, je vais exécuter tout ce bloc d'action. Et à la fin, bien sûr, ce que je fais comme tout à l'heure, c'est que je vais faire un for int i égale 0, i plus petit que 100, i++, et là je vais faire un system.out.println, juste pour nettoyer l'écran à chaque fois. Donc le i existe déjà, je vais écrire k. Voilà.
Et donc, tant que mes personnages sont en vie, on va faire ceci. Donc, par contre, le début du combat, je le sors de la boucle while, puisque on ne veut l'afficher qu'une seule fois. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un monstre deux cases en dessus du joueur. Donc, le joueur, je l'ai placé en 3-5, et le monstre, je vais le placer en 1-5. Je lance la partie. Donc, du coup, j'ai un monstre qui se trouve deux cases en dessus du joueur. Je me déplace vers le haut. Donc, je me rapproche du monstre. Je me déplace encore vers le haut. Oui, donc là, c'est normal. C'est normal puisque. J'ai dit que j'allais exécuter tout ceci 10 fois. Donc ce que je fais, c'est que je vais commenter ici et je vais commenter le while ici. Ok. Je vais juste le répéter juste deux fois. Ok, donc je me déplace vers le haut, je me redéplace vers le haut, et là le combat doit débuter. Ce que l'on va faire en fait pour voir si le code fonctionne bien, c'est que nous allons afficher ce que renvoie la fonction déplacer H. Par exemple ici, j'ouvre les accolades et je les referme ici. Et je vais dire système. .out.println j1.déplacerH. OK. Donc là, j'ai écrit 1 et ça m'a affiché 2. Ça m'a affiché 2 et c'est pas tout à. C'est normal puisque on est allé sur le monstre. Oui, donc là, c'est un peu compliqué ce que j'essaie de vous faire faire. Donc ce que je fais pour simplifier pour le moment. Je vais tout commenter. Je vais tout commenter comme ceci. Même pas. Je vais juste autoriser l'action qu'une seule fois. Et ensuite, je dis, si jamais on monte, à ce moment-là, on déplace le personnage. J'ai un point déplacé H et on démarre le combat automatiquement. Donc là, je suis dans le switch, ok. Donc je vais supprimer la collade ici. Ok. Et ce que je fais, c'est que je vais placer le monstre. Où est-ce qu'il est? Il est ici, je vais le placer en position 2-5. Donc là, le monstre est juste au-dessus de moi. Je monte et j'ai le début du combat ici.
Donc, sauf qu'une fois que j'ai démarré le combat, je ne vais pas effacer l'écran comme ceci et je ne vais pas non plus faire d'affichage. Ok, il me redescend à la ligne encore. Donc, je monte. Si je monte, donc je me retrouve sur le joueur. Le combat démarre. J'ai les caractéristiques de l'adversaire. J'ai mes caractéristiques. Je lance une attaque. J'ai les caractéristiques de l'adversaire. Donc on voit qu'il est passé de 30 points de vie à 23 points de vie. Ensuite, j'ai mes caractéristiques. Je suis passé de 100 à 99. Je réaffiche les caractéristiques de l'adversaire et mes caractéristiques. Donc là, c'est un petit bug. C'est pas bien grave. Ensuite, je lance une seconde attaque. Il ne reste plus que 13 points de vie au monstre. Ensuite, je suis attaqué. Il me reste 90 points de vie. J'affiche les caractéristiques de l'adversaire ainsi que mes caractéristiques. Ensuite, je lance encore une attaque. Il reste plus que 3 points de vie au monstre. Je suis attaqué, il me reste 88 points de vie. J'affiche les caractéristiques de l'adversaire. Donc là, encore une fois, c'est un bug. À mon avis, j'ai mis une double boucle fort où il ne fallait pas. Je corrigerai ça après. Donc ça m'affiche à chaque fois deux fois les caractéristiques. Ensuite, je lance une dernière attaque. Le monstre meurt. Moi, je suis attaqué. Donc ça, c'est pas normal. Il faut faire en sorte que lorsque le monstre est mort, il ne puisse plus attaquer. Et donc là, le combat se termine. Le combat se termine puisque j'ai dit je veux continuer le combat tant qu'il reste de la vie à un des deux monstres. Donc, caractéristiques de l'adversaire, vos caractéristiques, vous lancez une attaque. Donc, ce que je fais, c'est que je vais supprimer les caractéristiques de l'adversaire ici et je vais supprimer mes caractéristiques ici. Au moins on n'aura pas deux fois l'affichage des caractéristiques. Donc ça c'est bon. Ensuite il faudra faire en sorte qu'on ne puisse plus attaquer une fois qu'on est mort, donc ça je le ferai un peu plus tard. Et vous pouvez dire fin du combat. Voilà, je relance la scène. Donc là, je suis sur la carte, j'ai le monstre juste au-dessus de moi. Je monte, le combat démarre. Début du combat, pareil, les caractéristiques de l'adversaire. Il passe de 30 points de vie à 22 à 9. Et après, donc oui, après le monstre meurt et il est détruit. Et on a bien la fin du combat qui s'affiche. Bon, dans la prochaine vidéo, on verra comment un peu mieux structurer tout ça et comment faire en sorte que tout se passe automatiquement et pour pas qu'on ait à écrire nous-mêmes tout le scénario.